Les femmes rencontrent des problèmes assez variés en soins de santé maternelle suite au manque d'organes d'expression en matière de soins de santé. Cela a été dit lors d'un atelier scientifique qui avait comme objectif de disséminer les résultats préliminaires des recherches menées sur les mécanismes de redevabilité sociale qui peuvent être utilisés pour améliorer les soins de santé maternelle. Selon les études faites au Burundi, dans les provinces de Makamba, Kayanza et en République démocratique du Congo, dans les zones de santé de Moanda et Bolenguet, sur une période de 6 mois, les prestataires de soins ne sont pas au courant des besoins et des attentes des femmes et aucune structure n'est disponible pour permettre aux femmes d'articuler leurs attentes et besoins. Ainsi, les prestataires de soins n'ont pas de rétro-informations concernant la qualité de service offert aux femmes. Comme l'a indiqué Dr. Prosper Niongabo, la création de l'espace d'écoute et d'entente dans les structures de soins de santé pourra aboutir à de bons résultats. La situation du Burundi en matière de redevabilité sociale montre que la culture de redevabilité sociale n'est pas encore dans nos services de santé. Vous aurez remarqué que les femmes et les autres intervenants ou les autres requéreurs de soins n'ont pas d'espace assez suffisant et légal pour exprimer leur mécontentement ou leur désir par rapport à la manière dont les soins sont dispensés. Créer un espace d'écoute et d'entente entre le prestataire de soins et les femmes, que cela peut générer des résultats durables et positifs et à long terme. Cependant, l'amélioration des services de santé maternelle incombe non seulement au personnel œuvrant dans le domaine de la santé, mais aussi les femmes bénéficiaires de ces services. Ont pris part dans cet atelier les partenaires en œuvre, dont les représentants du Cordeil du Burundi, les représentants du Cordeil en République démocratique du Congo, les représentants du Cœur international Burundi, les représentants du Medicus Mundi Congo, ceux du Health Development Partners du Rwanda et les représentants du Knowledge Translation Network Africa basé à Makerere en Ouganda. Cette recherche s'étendra sur une période de 4 ans, de 2014 à 2017.